Ouais, dernier round, enfin dernier tour de des maps, tout ça. Bon, ça reset les scores, voilà. C'est la quatrième fois, hein. La quatrième fois qu'il y a la cup des maps. Pas trop de bol, parce qu'on arrive sur la tech. Enfin, il y a les deux techs qui se suivent. Ouais, j'aurais dû mieux les placer les deux maps, parce que là, c'est deux techs qui se suivent. La mid tech 9 et ça c'est un de compète. Voilà, demain je risque de faire des maps inter. Au moins une. Red tech. Ou alors j'ai essayé d'en trouver une sympa. Ou alors j'en prends une de TM Nation, je la refais comme j'ai fait avec la suivante. Il manque des map tech assez bon, qui font une mine. Parmi YouTube sans faire gaffe, je sais pas, il m'a switché sur l'autre écran. Fait là. Qu'est-ce qu'il me balance? Désolé. Boss manip de ma part. Bon, de toute façon il a fini premier, ça semblait bien. Route 15. Puis on met. Je mets plus de musique. Je sais pas. La musique ou pas sur le. Sur le. Le live. Moi je mets un peu le. Pour l'instant la favori liste elle se plus. Par contre il a fail là. Vite hein, si vous voulez de la musique en fond ou pas. Je comprends pas trop tes drifts encore tu sais. Moi je reste en spectre. Version. Hein. Antibo est premier, mais c'est serré là pour l'instant les scores. Vu que c'est le début. Moi je suis en... on est tous les deux en spectre. Il y a 9 personnes là pour l'instant. Antibo est premier, suivi de Tricky. Kayo. Là tout va changer. Et qui va prendre l'avantage? Tête de Kayo. Derrière, après, ils ont un petit peu un désavantage ceux qui sont derrière parce qu'ils ont pas traîné la map d'ailleurs en cours de route, pas déjà vu la map donc un peu pénalisé. Déjà, donc on a déjà fait 3 rounds, hein, ça va vite quand même. Celle-là, c'est une mini tech, forcément, ça va plus vite que. Comme ça, une minute. Une minute. T'as un map où j'ai mis les musiques, donc on va laisser comme ça. Hein. J'ai du jeu, des fois ça fait du bien aussi. Donc c'est le warm-up. Pareil demain, je laisserai un warm-up aussi. Ah, dommage. Mais bon, c'est le warm-up. Boss fail. Non pas. Donc, point du score. Dexterity Tricky est premier avec 46 points, suivi de très près par Thibaut et Kayo. Effectivement, 39 et 36. Madriuk, 25. Et après, en dessous, on a Ulta, 25 aussi. Prad, ils sont assez serrés après. Preda, 16. I'm so crazy, 16. On track qui ferme la marche avec 13, avec 13 bon, pour l'instant rien n'est joué hein. Et bon je pense qu'ils vont un peu avoir du mal hein. Iki et Caillou ils sont solides. Thibaut aussi je pense pas tech même s'il est un peu en retard bah, c'est la difficulté de la map hein, c'est le saut, faut avoir assez de vitesse sinon on va start un peu trop loin.
Là, tous les gens qu'on voit passer, ils ont fait le saut. La seule vraie difficulté de la map, sinon le reste, c'est assez simple. Ah, il y a deux difficultés de faire mal. Il y a le saut, avec le boost. Il y a la passerelle, là. Cette passerelle-là qui est compliquée aussi. Ça, et le saut. Allez, j'ai l'HF. Ce saut. Ouais. Il faut bien qu'il y ait un passage compliqué sur la map, sinon c'est trop simple. Hein. Pour l'instant, Kayou est premier. Ensuite, il doit être pas très loin derrière. Ah, c'est con. Je vais mettre le plugin pour avoir les temps intermédiaires entre les choix. Pourtant je pensais l'avoir activé mais j'ai mal réglé. Après pour ma défense, ce serveur date d'aujourd'hui, hein, que j'ai pas non plus tout paramétré. Demain ça sera fait. Ouais, il gère bien la map. Hein. J'ai bien eu le temps de la traîner la fois précédente. En mal, hein. En plus là, le world record. Pour une. 5. Solide sur ses appuis. Pas de se laisser déconcentrer par le commentateur. Et il fait un nouveau record NT. Et en 1:09. Les autres auront le temps de le finir. Oui, Bad Boy Thibaut a fini. 14, après une 14 aussi pour les c'était pas loin là. Yeah. Oh. Baisser de son costaud. Bon. Faut juste. Skill. Pardon. Comment c'est speed Gouloute que. Ils arrivent à passer. Parce que ce serait impossible à passer, je comprendrais qu'il faudrait baisser le saut. Mais ça arrive à le passer. Normalement, tu vas pouvoir aussi. Je commence à bafouiller, hein, je commence à être fatigué. Ça fait 3 sessions qu'on va quitter. Soit il a quitté volontairement, soit il a crash. Et un nouveau joueur, Judolf, qui rejoint. Malheureusement, il a déjà une map de retard, donc ça va être compliqué. Un tastic. Ah, ouais, faut pas non plus trop grid là. Pardonne pas sinon. Il a des bonnes trajectoires. Hein. On sent le joueur tech. Ah, 0-3, un peu moins bon. Et toujours premier, 0-4 pour Bad Boys. Enfin Thibaut, c'est sa team. Tricky, bon, toujours le même peloton de tête. Hein. Même si Kayo, je pense qu'il est là, ouais, il va repasser devant. Mais c'est serré entre les trois. Va faire du beau spectacle, je pense, une fois que seront tous les trois finalistes. Après, ouais, Madiour, je vais arriver. Hein. Pas marqué de points. Ils ont du mal à finir la map, donc là ils sont en train de se faire distancer. La Prade repasse 4ème. Et je rappelle donc qu'il faut que les 4 premiers se qualifient. Hein. 4 finalistes. Que ça soit fini. Mais même pour la 4ème place, il faut la jouer. Ah, là il y a une petite erreur. Ça perd un peu sa concentration. Il peut rattraper. Une erreur là ici. Thibaut. Il va-t-il faire une erreur? Rattrapé dans le joueur français. Voilà, très très bon drift. Il repasse devant. On sent la maîtrise. Hein. Avec la manette, c'est un peu plus simple. Le clavier. Il y a quand même du skill. Indéniable. Avec une bouchée de cette map, il est peut-être parti pour battre le record. Non, je ne crois pas. Non, pas une 0-2-7 qui est derrière une 0-5. Vous devez être pas loin. Moi qui défaille là, on est pas loin. Hop, ah,
départ. Ah, ça t'a fait l'île. Ah, la Prade a passé, passé 3ème, donc il a gagné des points là. Bien. Il faut grappiller les points là. De rien, ça, ça permet de remonter. Hugo la Prade. C'est le outsider. Bon, ensuite on passe sur InSpeed. Vous voyez un petit peu le changement, hop, direct. On passe d'une tech d'une minute à un truc de 20 secondes. Ah, là j'ai bien fait une musique. Bon. Après je sais pas si elle est... on l'entend. Si elle est codée. Ouais, etc. Normalement oui. Hein. Là on voit les skins des joueurs, donc normalement eux peuvent recevoir les musiques. Oula. Pour la fail. Que celui-là qui est passé en flèche, c'est Kayo, évidemment. Après, le souci, c'est que je crois que Tricky n'a pas, pas fait la map. Il est arrivé en cours de route, round précédent. Donc, il doit pas connaître la map. C'est un désavantage. Hein. On est parti, donc. Premier round. Vous savez, Tricky, les 3 rounds vont être drift enchaînés. Aller chercher le maximum de points, il doit fail. Forcément, vu que c'est une map très courte, hein, on va chercher le maximum, avoir le meilleur, la meilleure trajectoire et au détriment de fail. Donc, c'est Thibaut qui engrange les 20 points pour lui permettre de remonter. Ça fait un peu de yo-yo entre les 3 joueurs. Pour l'instant, Caillou est premier, 109, 100, 99, c'est rien. Les joueurs apprennent un petit peu en dessous avec 55, 33 pour Boulou, 5, 4, 16, abandonné, Prad, et après Yannuk, mais Yannuk a du mal aussi à finir les maps avec 13 points, et c'est tout. Il y a eu des gens qui ont rejoint, mais qui ont quitté instant, ils n'avaient pas le niveau, malheureusement. Il y a un peu de mal, mais il faut aller chercher les points. Ah, et la Prade qui a quitté. C'est un problème de connexion. C'est pas la première fois qu'il revient. Et un nouveau joueur arrive. Psycho, la team Lazy. Le double team. A mon avis, ça doit être un pro aussi. Un joueur assez, assez bon. Ce qui va pouvoir remonter. Ça va être difficile, hein, parce que ça avait déjà 3 maps jouées. Bienvenue. Go. Alors voyons voir un petit peu s'il commence à piger le. Il va avoir du mal. Hein. Il faudra qu'il rattrape là. Bon, il arrive à passer. NT, oui. NT. Hein. 14.8, c'est un bon temps ça, ouais. Le meilleur temps, 14.6, mais il y a moyen de gratter, hein. Faut prendre les meilleures trajectoires. Et après voilà, en cup faut pas non plus chercher le record, surtout être aigu. Et on passe directement à la prochaine map, là les 3 rounds ont été passés très très vite. Et la prochaine c'est Find the Finish. Là normalement. Ah non c'est. Ouais, c'est... Mais moi je la dirt dégueu, mais en faut pour tous les goûts, hein. De toute façon ça sera un peu le thème de chaque compète, hein. Map de chaque style. Après je réfléchis encore au nombre de maps que je vais mettre. Là, pour l'instant il y en a 8 et je vais peut-être passer à 6 ou 7 ou 5, peut-être 5, ouais, plutôt 5. Bon. Qui viennent au Capicle pour Angina. Voilà. 3 personnes qui viennent. Les Yvelines, sûrement des points. Le serveur. Et quelque chose me dit qu'ils vont pas passer mon temps. Ça rejoint un chinois. Un français qui a un chinois.
Donc ça, ça c'est le warm-up. Plutôt finir. À la fin. Heureusement, voilà, il est minuit. Un peu trop tard pour moi, je trouve. Alors, on revient sur le tableau des scores. C'était très très serré là, les trois premiers. On a joué sur un mouchard de poche. Là. 135, 134, 131. Après, malheureusement, la Prade a quitté 55 points, et après c'est 45 pour Gouloute. Trop trop loin. Là, c'est trop trop loin pour attraper. Et les nouveaux venus, ben, ils sont trop. Ils ont 3 mètres de retard, ça va être compliqué hein, de remonter, de revenir. Il passe impossible, hein. Caillou l'a bien fait pour, le tour précédent. On va avoir un bon niveau. Après Seiko il peut hein. Alors, il va suivre. Après le problème c'est que lui il connaît pas les maps. Pareil aux trois autres. Encore que Tricky, je crois que c'est certains maps qu'il connaît pas. Pour l'instant il est devant donc il a de bien s'adapter. C'est un peu la guerre entre Pad entre Thibaut et. Ah donc, il a réussi à passer à la fin. C'est vrai qu'il a fait une 2, une 0-2 caillou. Hein. Là, là. Non ça. Mais je crois qu'il est en dirt aussi. Ah, il y a des gens qui quittent, hein, forcément, ils sont trop en retard. C'est pour le fun, mais. Ah, dommage. Ça a doublé par les deux. Ah, et Chocapi qui a l'air de. Pas mauvais. Quand pour le droit, elle commence à. Pendant, c'est son deuxième tour sur la map, il a même pas fait le warm-up, je crois. Il commence à mémoriser la map. Serré hein, sur les deux. Thibaut est un peu devant non? Et derrière, je sais plus, j'ai pas fait gaffe. Il faudra que j'installe quand même l'intermédiaire, hein, sinon on n'a aucun. On a quand même rien de savoir s'il y en a qui sont devant ou derrière. Même pour les joueurs, hein, je crois qu'ils n'ont pas les infos. Faut que je les mette. Ouais, pas mal, 0-3. 0-3, c'est pas mal. Donc, niveau score là, c'est toujours serré hein, entre les trois. Ça fait le yo-yo en fait. Il ouais, y en a un qui finit premier, une fois deuxième, après troisième, et ça remonte. Derrière, bah ouais, ils ont pas beaucoup de points forcément. Les trois premiers, ils ont le plus de points. Il a gagné 10 points, Seiko, donc il remonte. Si, ils sont trop en retard, hein. Ils ont 3 maps de retard, ça va être compliqué là. 2-3 maps de retard donc. Après, faut aller chercher la quatrième place hein, aussi. Finir la quatrième, donc. C'est prenable. Après, rien n'empêche que voilà, Seiko il peut se joindre à la partie et puis empêcher les autres de finir. Si après, il engrange 20 points par 20 points. Ça se bat, ça se fight. En plus, il s'est fait des erreurs. Hein. Tard. Il est juste derrière, ouais. Ça... Que le. Ah, ça a tapé côté la pique, je crois. Ah, ça s'est doublé par Seiko. Ça tape, ça repasse devant.
et du pôle. Et les drones numéro 3, donc on va switcher de map. Prochaine, find the fish normalement, ouais. Ah. J'avais dit que je rejoindrai quand il y aura les deux dernières maps, mais en fait je vais laisser quand même. Je vais pas gêner. Je ferai des scores dessus plus tard. Demain. Donc find the finish. Voilà, un petit peu de pathfinding à la Zerator, mais en très très simple. Le warm-up. Avec du polé. Que Thibaut. Caillot, ils connaissent le chemin. Il y a aussi Loot, je suis pas sûr, mais Madriu doit connaître le chemin aussi. Con Track aussi. Sopoisy aussi. Connaître le chemin, eux. On va se mettre en vue libre. Voilà, comme ça, on va voir un petit peu comment se déroulent les joueurs. Plus simple de suivre là. Donc là, on voit que quand même, ça va dans tous les sens. Hein. Là c'est du les pages où je suis. Ouais, t'inquiète, elle est simple. Ah, Nuki est parti. Donc ça part ouais, des deux côtés, donc là pour l'instant c'est bon, c'est bien. Après ça empêche aussi d'aller faire les ronds au début, hein. ça fait pas trop perdre de vitesse en fin de temps. Ah ouais, là ils ont oublié, Caillou l'a oublié. Mat, ils ont voilé là, et choper ce CP là. Et après pour faire les ronds. Là normalement Thibaut et Lazy sont sur le son. Je pense que lui aussi, je suis pas sûr. Goûter en avance par rapport aux autres. Ah, fini. Caillou est derrière. Il faut quand même aller chercher le CP là. Tendance à l'oublier celui-là. Goulou 3ème. Echo. Et qui, ouais, il a pas de bol, il connaît pas la map. Donc, un peu désavantagé par rapport aux deux autres. Même à Goulou, apparemment, je crois qu'il a déjà fait la map. Ça part dans les deux côtés. Ah, ça tente ce passage là. Et je crois que ça fait pas du temps quand même. Ça part là. Hop. On va chercher là. Ça, Caillou déjà, il a plus de CP qu'eux. Hein. Après, je suis pas sûr qu'il aille chercher celui-là. Pas fait gaffe. Ça part un peu dans tous les sens, mais à la fin, on va s'y retrouver. Vous allez voir. Ça va jouer dans un mouchard de poche. Ouais, ils sont là. Il a fini premier, NT. Il y a un petit corps là. Pas où il est passé, mais il a réussi à battre les autres. Il a 33 alors qu'ils sont à 36, 38. Et vous voyez, Gouloud, je suis au capic, là, il gagne des points. Ouais, c'est pour ça que j'aime bien mettre des maps différents styles. C'est là qu'on voit les joueurs qui arrivent à grappiller des points sur des maps qui sont plus à l'aise. On va être quatrième. Un buggy. Ah ouais, les buggy, ouais. Bol. Ah ouais, il a fait 2,40 quelque chose et l'autre il a fait 2,30, 2,3. Quand même. Vous voyez, hein. Je pense que c'est le meilleur chemin de passer par là ou par là. Et oui, il prend pas. Ouais. Il a un autre chemin, mais il a l'air de payer vu qu'il fait 33. Il prend pas ce CP là, il prend à la fin, je crois. J'ai l'impression. Donc les autres, ils vont le prendre et après ils font les ronds. Il passe par là. Il va prendre le CP, il va finir. Hop. 34. Alors que les autres, ils arrivent ici, ils sont à 36. Il a chopé le meilleur chemin. GG à lui.
plus ce chemin-là, perso je le prenais pas. Ah, il va quitter. Là il va laisser la place. Là il y a deux places prenables. Ils sont assez haut level, mais bon, vous savez quoi, il remonte, hein. 46 points. Mais bon, entre les autres là, c'est un. Il y a un écart qui se creuse malheureusement. Et Yuki commence à prendre de l'envol par rapport à Tricky et Thibaut. 20 points d'écart déjà. Un peu moins. 8-19 points d'écart, ça fait un round d'écart, donc on peut se permettre de faire un round. On arrive sur des ratatés pas si moches. Bon bah tout le monde avance à fond. Ah bah ça. Petite surprise, hein. De la ZRT Cup. Il y en a qui sont pas partis, mais c'est le warm-up, donc tant que ça charge. Je vais faire quand même laisser un warm-up parce que des fois quand il y a des chargements de map, certains PC sont plus lents que d'autres, donc les joueurs ont du mal à arriver en même temps. Par exemple, Crédit, hein. C'est un peu trop tard par rapport aux autres. Bon, moi je vais dormir, c'était bien fun, même si. Alors comment ça se déroule là? Bon, ils vont vite, hein, les deux. C'est qui connaît la map aussi? Il a dû faire la cup aussi. Ah, ça a pris le cut là. Je rêve où ça a pris le cut là. Et il a tenté le cut, il a réussi. Ça a pris le cut. Donc, il va faire un bon temps là. Un très très bon temps, si ce n'est pas. Et malheureusement c'est le warm-up. C'est con ce que c'est le warm-up. Il s'est fail en plus. Ah dommage. C'est con. Le warm-up ça compte aussi, hein. Si on fait un record, ça s'enregistre. Ah, je sais pas son score, mais ouais, je pense qu'il était pas loin de 1-18, 1-19. Hein. Là aussi le cut. Le cut est là. Ici, voilà, il faut arriver à bonne vitesse là, prendre le cut et arriver ça. Tac. Salut, pourquoi tu spec pas avec la cam derrière les voitures? Ça c'était pour la map précédente, il y avait plusieurs chemins, mais là t'inquiète, je reprends avec la caméra standard. C'est juste le warm-up, hein, je sais pas. Ah dommage, les You là. Trop terré. Alors est-ce que Thibaut et Tricky vont réussir à passer coude à coude? Dommage, et ça passe pour Tricky, Seiko, pour Angina, allez, suivre les deux là, qui hop, elle est collée par Seiko. Hein, Seiko, je pense qu'il va prendre des points là. Il a l'air de connaître la map aussi. Voilà, la compète. Est-ce qu'ils vont tenter le cut? Caillou, je pense qu'il va le faire lui. Il est en retard. Bonne trajectoire, allez-y. On va passer là. Ah, il a tenté, hein, dommage. On va vite fait, Caillou. Ouais, non, je peux pas le spec, donc il a dû abandonner. Bien abandonner si je peux pas le spec là. Après la fin, c'est. Ah, dommage. Vers la fin, c'est easy. On va pas trop vite, mais. C'est ses coups, donc il va prendre les points. Ah non, il a fail aussi, hein. Pas la fin. Compliqué. Allez, du coup c'est Florent Angina GNT base première premier. Bah, on va prendre ses 20 points, ses 20 premiers points. Donc, on va pouvoir monter. On tremble la fin à chaque fois. Ouais, pas simple.
Ah. Aïe. Pas sympa, Ryu. Donc on est à 241 pour Kaio, 225, 223. C'est serré. Et en plus, Kaio, vu qu'il a abandonné la fois précédente, là, il va se retrouver un petit peu au même stade. Même s'il a un round d'avance. Et Gulut, 78 points. Ça, c'est deux maps de retard. Voilà. Ça. Deux maps de retard. Encore que même pas, parce qu'il n'a pas réussi à faire la tech. Il n'a pas réussi à finir la tech, donc il a perdu beaucoup de points. Ah, ça c'est fail là. Où lui est passé. C'est fail derrière. On pourra aller prendre des 20 points. En plus, il tente le cut, il y a moyen de prendre les 20 points et empêcher les autres de finir. Ça, là, ça. Il y a combien de participants à la queue? Bah, c'est random. C'est-à-dire que là, même, là, si tu veux, tu peux aller sur le serveur, tu peux rejoindre, ça va comptabiliser aussi. C'est une compétition fun, donc il n'y a pas de gain. Ah, il a tenté le cut, GG pour le cut. Il arrive à faire le cut, hein, Kaio. Ah, ça a voulu grid. Arf. Ça a pris trop. Dommage, hein, parce que le cut il est compliqué à prendre, donc une fois qu'on l'a pris, hein, faut vraiment safe. En tout cas, ça serait mon parti pris. Hein. Dommage, mais bon, j'avais tellement d'avance. Voilà, quand même fini premier. Les autres ont du mal, j'ai l'impression. Tricky, on voit pas Tricky, on voit pas Bad, on voit pas Thibaut. Donc là, Kaio va prendre beaucoup de points. On est où c'est Echo, ce qui remonte mine de rien. Ouais, bon voilà, comme je dis, hein, ils ont 2-3 mètres de retard, donc ça va être compliqué pour arriver aux 3 premiers. Par contre, la 4ème place est prenable. Je vous rappelle, la 4ème place. What the fuck, mon cerveau. Ça c'est sûr que il est tard, mais demain soir je pense pas qu'on va pas aussi tard, hein. Demain soir à la limite on fera un round pour rien pour que tout le monde connaisse la map et après on fera la vraie cup, c'est ce qui compte. Et après c'est trop tard et les gens sont plus concentrés, quoi. Donc je pense que demain on fera ça, puis pour les autres compétitions on fera ça aussi, on fera un tour pour rien. Un tour, voilà, une cup normale, mais qui compte pas. Pour que les joueurs mémorisent les maps. Et après, on fera la vraie. Et après, je laisserai encore deux tours derrière, mais je suis pour le fun, quoi. Bon, à la limite, trois tours. Après, non, plutôt 4 vu que je réduirai le nombre de maps. Bah, je pense que je vais passer à 5 maps, au lieu de 6. Enfin, là, on en a 8, plus. Il y a 8 maps, ça sera à 5. C'est un peu trop long. Ou alors 8 maps, mais avec des maps courtes. Là, entre celle-ci et puis la map précédente, hein. La photo. Là, je sais pas ce qu'il tente, il essaie de faire ça. Ou alors il était. Alors, 25. Kaio il grid à la fin, là. Il essaie de prendre sur le côté, mais il prend le saut de traviole et tout son avance bête. Alors qu'il pourrait faire une 18, une 19 facile, en plus en régu, parce que visiblement le cut il arrive à le régu, donc enfin, il arrive à le régu, il arrive à le prendre s'il tente. Et on passe à la map suivante, et moi je profite pour un petit coup. Je vais faire le warm-up avec vous.
préfère voir mieux un peu. J'ai envie de rouler un peu. J'ai marre d'être spectateur. Ouais, mais le warm-up, ouais, ça compte pas. Je pensais que ça comptait, mais en fait, ça compte pas. Ça enregistre pas les temps. Ouais, j'ai la FHF. Je retourne en spect. Pardon. À la limite, le troisième round, je le ferai vite fait pour faire un temps. Là, je regarde. Ah, il y a moyen qu'il se qualifie. Ouais. Keio, s'il fait deux fois premier, il peut se qualifier. Et après les deux autres, il faut qu'ils fassent 3 fois premier. Un bad boy peut faire 3 fois premier, il se qualifie. Il fait 2 fois premier, Caillou, il se qualifie. Bad boy, il fait 3 fois premier, il se qualifie. Par contre, Tricky, un peu trop en retard. Ouais. Même s'il fait 3 fois premier, il pourra pas être finaliste pour cette map. Donc, il va falloir qu'il tienne bon. Dommage. Caillou, okay, dommage. Ouh, ça passe. Ah, et c'est cool qui va finir premier. Ah non. Il est dépassé par Matt. Ah non, mais Matt a loupé. A loupé le, voilà, le tour. C'est Goulou qui finit premier. GG. Donc il prend 20 points. Les 20 points sont cruciaux. De rien. Ça le fait remonter à la 4ème place si Seiko finit pas. Vraiment premier là, et oui, et Tricky qui est deuxième, donc il va pouvoir prendre des points. Et vu que Bad Boy a 10 points, il va pouvoir remonter un peu plus. Caillou, vu que c'est fail, bah, voilà, il laisse passer un round. Picasso est en map. D'entendre ça, c'était pas du tout putain cette map là. Au début, je voulais faire une dirt et après, c'est parti en full speed. Ah, Goulou, là, par contre, il y a un peu de mal. Là, je sais pas s'il aura assez de vitesse pour passer le saut. Il n'y a pas de boost. Ça passe. Ah non, ça passe pas. C'est bête parce que là, quand tu respawn, c'est un défaut de la map. Quand on respawn, on n'a pas un pas assez de vitesse. Ouais, ça c'est. Ma faute à moi, et pas que correspondant le pas assez de vitesse. Caillou qui va prendre la première place, hop, il va reprendre ses 1 points. Qui est derrière, Tricky, il a l'air plus solide que Thibaut, donc il va pouvoir remonter, repasser devant, on finit pas. Cette map va me rendre fou. Bah non, vite de connaître le chemin. Ouais, le dirt, ouais, le début, ouais. Avec la partie en dirt au début, là, il faut vraiment être. Serrer les fesses. Pas toucher les murs. Ouais, c'est comme ça qu'il faut le prendre, hop. On va mettre en suiveuse plutôt qu'en replay. Voilà. Tac. Oh, il fait un peu de vitesse qui va dans la terre. Ah, dommage, il a évolué le grid. Il est par tout le monde. Dommage. Mais bon, là quand même un round d'avance. Donc, il peut se permettre. C'est Bad, c'est Thibaut qui va prendre la première place. Chocapic, Seiko, ah ouais, les gens qui commencent à remonter.
faut que je pique. On va arriver aux 100 points. Et Caillou qui a finalement pas pu finir finaliste, qui a fait les maps, enfin les tours. Et on recommence depuis le début, donc on repartit sur Diablol. Voilà, on a déjà fait un tour. Le tour de map fait. Pour ceux qui sont arrivés en retard, c'est la première map en fait de la liste. Je crois qu'on avait démarré la map suivante, mais moi, je crois que c'était sur la Minitech qu'on avait démarré. Round. Bon là, il y a moyen d'avoir les trois finalistes. Il y a moyen que les trois se finissent en finaliste et même voir peut-être quelqu'un finir vainqueur. Là, les scores sont serrés. Je rappelle la limite de points est de 300. Pour atteindre les 300, on devient finaliste. Et après, il faut finir une fois premier pour être vainqueur. C'est un petit peu la particularité du mode cup par rapport au mode round classique. Il faut obligatoirement finir premier une fois qu'on a atteint la limite de points. Il rend un petit peu la compétition plus savoureuse vu que il y a des retournements de situation qui peuvent être créés. Par exemple là Caillou est premier, mais si n'arrive pas à finir la map une fois premier, là il est qualifié. J'ai liste. Les finalistes. Ah c'est dommage que Thibaut aurait fini deuxième, il aurait. Non mais aurait même pas. S'il aurait pu être finaliste. Là il manque 4 points. Pareil, il manque des points. Donc là, le prochain round, faut obligatoirement que Thibaut Tiki déjà finaliste. Et bah oui, hein. Et il aurait pu finir plus tôt. En 5 maps, normalement, il peut finir. Faites le compte. 5 x 3, 15. Divisé par 20. Et 300. Et 300 points. En 5 maps, on peut être qualifié et finir la partie. Là, vu qu'il a fait pas mal de fail, mais sur 6 maps, là, même pas sur les 8, enfin sur les 7. On n'a pas fait le retour sur Minitech. Mais vu que Caillou est cher cette map là, j'ai vainqueur. On se retrouve à Lyon. Je dis ça par rapport à Zerator, mais... Et Tricky qui est finaliste derrière. Alors est-ce que Bad Boy va pouvoir faire l'exploit et passer devant pour de nouveau, pour lui aussi passer finaliste et empêcher Tricky de finir. Et après je rappelle que la quatrième place est aussi jouée, que ça sera pas fini. Par contre ça y est du fait là. Ah, Tricky est devant par rapport à Badin. Par rapport à Thibaut, mais Thibaut le talonne. C'est prendre des risques là. Ah. Ah dommage, il ne pourra pas rattraper. Peut-être Matt. Et non. Ah, c'est Seiko qui est devant. Seiko qui l'empêche de finir. Seiko qui l'empêche d'être finaliste, enfin d'être vainqueur. Ah, Tricky. Seiko qui. On l'a pas vu, mais voilà. Il empêche. De finir et du coup ben le troisième round étant fini, hop, ça switch de map, passe à la Minitech, hop, donc warm up. C'est normal, à chaque fois qu'on change de map il y a les marqués 0-0, mais après ça se reset, hein. ça revient, voilà. Donc on a deux finalistes, Thibaut et Tricky. Caillou qui a fini premier. Et c'est cool qui est un peu loin derrière. Là, il manque 150 points quoi.
Pas pour le warm-up, Tricky a l'air plus solide que Thibaut. Et c'est sans compter sur les autres joueurs aussi, hein, pour faire la surprise, notamment Seiko. Voilà, qui passe devant là. Une erreur. GLHF. Seiko ou un autre pour les gêner. Très trop beau là, c'est bien. Alors Seiko, il finit 3 fois premier. Il faut traiter un peu les boules. Comme pour Ishikawa qui a fait 3 maps en étant finaliste. À chaque fois Caillou finit ses premiers. Bah bah GG. GNT. Deuxième Caïf. Deuxième vainqueur. Je pense que le prochain tour ça sera Thibaut. Quoique Thibaut est quatrième, donc Seiko et Flor Angina peuvent le gêner. Skip, ouais, parce que c'est pas joué, hein. Donc il n'y a pas franchi la ligne en premier, pas joué. En plus après il y a le quatrième derrière. Et après je ferai un screenshot, je mettrai les scores sur un tableau Excel avec les pseudos, et je mettrai ça dans la partie message de Twitch. Ça vous aurez le récapitulatif. Bon, je ferai ça demain, parce que après je vais me coucher là. Ah, et GG, bah du coup, a réussi à finir premier. Donc on a les trois premiers. Ou pour la quatrième place, ça va être un peu long, mais alors la tech, là je pense qu'il y a moyen que Seiko prenne des points. Je connais pas le niveau des autres, sachant qu'en plus ils sont arrivés en retard les autres. Par rapport à Seiko qui connaît la map. Ah et puis il y en a plein qui ont quitté. Ah, il y a eu des pitages en l'air là. Parmi les joueurs qui restent, il reste qui là? Seiko. Merci pour le follow Trick. Place V3. Reste Gouloot, Matt et Seiko. Sachant que c'est un peu le plus proche avec 178 points, 146 et Matt par contre 106. Très compliqué. Ça va être un peu loin pour qu'il passe à 300 points. Et d'ailleurs, si ça vous tente, demain on peut faire ça via Discord. Hein. Calme. On ne peut pas tout seul commenter.
Après, faut pas non plus que ça soit trop le bordel. Je pense que je mettrai dans un channel de isolé juste pour le... quand on fera la compète, enfin quand ça sera le tournoi ciel, on va dire. Et avant, bah, pour le round de chauffe, voilà, on pourra tous discuter ensemble, ça, c'est un problème. Bah, ça sera le tour sérieux, on va dire. Et tout seul. Ou alors j'inviterai au moins une, voire deux personnes maxi pour faire les commentaires. Les commentateurs. Bon, ça se joue entre Matt et Seiko pour l'instant. Ah, dommage. Matt, l'avantage c'est qu'il connaît pas la map et a rejoint le serveur plus tard, donc forcément. Par rapport à Seiko que lui a rejoint, je crois, cette map là. Donc il avait une map de retard, je crois. Non. Je vais peut-être des bêtises. Non, pour avoir le nombre de pointes, il peut venir de map en retard. C'est celle-ci, c'est la deuxième map. Hein. Elle était jouée au début. Et. Fin 0-5 au deuxième tour, c'est pas mal. Deuxième tour de chauffe, on va dire. Ah bah voilà. Ah, Boulou qui finit. Je crois que c'est la première fois qu'il finit la map. Après elle est pas simple hein. Ça pour ceux qui connaissent pas le jeu tech qui découvrent le jeu ou qui débutant, ça c'est vraiment une map de compétition. Et encore j'ai pas choisi une ESL hein. Demain c'est peut-être possible que j'en prenne une d'ailleurs. Enfin, je verrai. Ouais, je pense que demain je vais faire le choix des maps avant stream. Comme ça, elles seront cachées de tous. Je dévoilerai juste à 21h. À la limite, je vais rejoindre. Je joins à vous. J'ai envie de rejoindre là. Il reste 3 joueurs. Je pense pas les gêner plus que ça. À la limite, je fais 20 points à chaque fois, mais voilà, ça quand même grappiller des points. J'ai un peu envie de jouer, là, je me fais chier à. Ils sont plus que 3. Donc... Puis Goulou l'a quitté. Donc là il y a que Seiko et ça reset. Hein. Merde. Là ça reset les scores, mais j'ai pas eu le temps de les enregistrer. Bon après c'était pas grave parce que je la rediff Twitch. Je suis bête mais voilà. Et je suis con parce que je suis en stream donc forcément j'ai une vidéo derrière. Je pourrais reprendre les scores, revisualisant tout ça. Et je ferai mon petit tableau Excel demain. J'en vois en live. Ça intéresse des gens. Bon bah sur ce mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi le live. Certes un peu tardif là, il y a 1h. Je vais m'arrêter là. Je vais pas tarder aussi à couper le serveur d'ailleurs, je vais leur dire. Et pas tarder. Ah j'ai arrivé. Je le serve. Je vais. Et, ah. Demain je lancerai votre serve. Je serai. Pour info, c'est bazar. Voilà. Ouais. Train. Ensemble des maps. Map. Seulement. 120 dessus. Easy. Voilà, voilà, bon. Mesdames, moi je dis rien, je vais arrêter là. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à follow sur la chaîne Twitch. J'ai coupé les serbes, donc déjà j'ai coupé l'autre qui tourne dans le vide, j'ai l'impression. Voilà.
super papou qui est passé. Ah. Par contre, les IP. Désolé, hein, vous voyez tout. Il y a quand même des joueurs qui sont passés hein, sur le serveur là. Ouais, il y en a 4, 5, 6. Oh, ça va, ça commence à être. Attends, on va faire un tour dessus avant de. Je vais aller sur l'autre serveur voir un peu s'il y a encore du monde. Bon, moi je vous laisse. Façon, tout le monde est parti, je suis con. Bon, celui-là, on va le farmer du coup. Hop. Alors, il faut pas non plus que je me gourre. C'est lequel? Dirt Factory, non. Tac. Celui-là. On va juste faire un petit tour sur. On n'a pas trouvé de titre. Il y a 9 personnes dessus. Hein. Et je pense que je vais essayer de le mettre sur un PC qui tourne H24. Maintenant, le soir, il y a plus de monde dessus. Hey. Ça tryhard. Ah bah bon. Bon. Ça permet de faire payer. Bon, j'ai coupé le stream, voilà, je vais juste faire 2-3 maps en off hein, si vous voulez rejoindre le serveur. Ah putain, par contre, c'est chiant ça. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Ah, mais si, je sais pas exactement pourquoi. C'est depuis que j'ai fait un retour Windows et que j'ai remis en plein écran. Voilà. Attends, très. Je sais pas, si j'ai dû faire une connerie. Voilà, c'est. Non, c'est plus comme ça là. Non. Le live, bonne nuit. Chier, connard. Casse tes couilles. Hop.